joie, la Bible dit, le surnaturel se déploie, les anges se mettent en mouvement, le Saint-Esprit s'active et Dieu commence à faire des choses. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Tu sais, en entreprise, on ne te donnera pas l'occasion de pousser des cris de joie. Si tu le fais, on va te renvoyer. Même la maison que tu loues, amuse-toi à pousser des cris de joie à partir de 2h du matin. Le lendemain matin, on va te déposer la clé. Quand tu seras dehors, dans la rue, quoi que tu penses pousser des cris de joie de l'éternel, ceux qui vont te regarder, ils vont te prendre pour un débile. Parce que le monde séculier a développé un caractère de vie. Quand tu ne rentres pas dans les normes du monde séculier, on te traite différemment. La Bible dit, les adorateurs du Seigneur, du vrai Dieu, pousser des cris de joie est un mystère de délivrance de visitation. Pousser des cris de joie est un mystère de visitation de la puissance de Dieu. Parce que rien qu'en criant, au nom de l'Éternel, la gloire de Dieu peut te visiter et peut faire de grandes choses. C'est pourquoi j'ai dit, pousse des cris de joie ce matin pour exalter le Dieu. Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez une chose? Quand une âme est attristée, quand elle est meurtrie, quand elle est découragée, elle n'arrive pas à pousser des cris de joie. Donc pousser des cris de joie en sa présence est un processus de délivrance. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Veuillez vous asseoir. Merci le rocher. Merci le rocher. Peuple de Dieu, nous vous disons bonjour ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes contents de vous voir, d'être avec vous et nous voulons vous le faire savoir ce matin par ma voix. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venus nombreux à cette convocation solennelle de notre Dieu, de notre Seigneur. Vous avez la salutation de notre Père, l'apôtre Germain Ndeke. Alléluia. Nous sommes le fruit de son travail. Et toutes les fois que nous nous retrouvons, il est bien sûr que nous transmettions, n'est-ce pas, ces salutations aux enfants que nous sommes, au peuple que nous sommes, pour que nous sachions que le Père est avec nous. Alléluia. Alors, ton amen n'est pas faux. J'ai dit que le patriarche te salue ce matin. Salut, le Père, salut, puis ton amen est faible comme ça. Ça, c'est quand moi je te salue, tu réponds comme ça. J'ai dit, le patriarche nous salue ce matin. Voilà, ça c'est un amen qui est vivant. Et le Père, il reçoit ça. Et c'est que Dakar existe. Amen, amen. Nous voulons saluer les serviteurs, les servants de Dieu qui sont parmi nous ce matin. Nous voulons saluer tous les responsables des départements. Nous voulons saluer tous ceux qui nous visitent pour la première fois, qui ne sont pas encore présentés à nous, mais qui sont avec nous. Nous voulons saluer tout le corps de Christ ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu ce matin. Que la paix de l'Éternel qui est en ces lieux soit votre partage. Alléluia. Amen, amen. Il est 11h moins 7 minutes. Nous allons prendre nos Bibles. Je prie que Dieu nous aide à être encore dans le temps pour qu'au plus tard, à 12h30, que nous puissions finir ici. Alléluia. La vie nous présente différentes plateformes. Et dans ces différentes plateformes, les hommes, grand H, de par leur réflexion, ont donc compartimenté ces plateformes et ils ont parlé de générations. Ainsi donc, il nous est dit que chaque 10 ans, on nous parle de génération. Ainsi, si j'ai un an, et que tu as 9 ans, toi et moi, nous sommes de la même génération. Si j'ai 29 ans, ou même si j'ai 30 ans, et puis tu as 40 ans, comme il y a 10 ans, nous sommes de la même génération. Mais il se trouve que
À chaque différente plateforme de cette génération, il y a ce que la vie nous présente. Il y a ce que la vie nous contraint. Ce que la vie nous donne. Alléluia. Mais il se trouve que parfois, je ne sais pas si on peut appeler ça notre ignorance ou notre méconnaissance ou notre négligence, mais chacun pourra employer le vocabulaire ou bien le qualificatif qui lui conviendrait. Mais je voulais juste présenter une pensée. Donc je disais que je ne sais pas, mais il se trouve que à chaque phase de la vie de chacun de nous, à chaque génération, ce phénomène qu'un serviteur de Dieu appelait une saison doit normalement faire partie de notre vie. Si tu ne l'as pas encore traversé, si ça ne t'a pas encore visité, si tu ne l'as pas encore vécu, prie Dieu pour que ça t'arrive. Parce que ce n'est pas comme une maladie contagieuse où quand on dit que si tu as l'antivirus, dès que tu as eu ça une fois, tu ne vas plus avoir ça deux fois. En fait, cette saison est rattachée à chaque génération. Donc, on peut la vivre plusieurs fois, ce phénomène. Et certains l'ont vécu et ils y ont laissé beaucoup de plumes. Je voulais juste toucher cet aspect ce matin pour que peut-être que en parlant, ça pourrait peut-être aider à la compréhension du spirituel pour changer notre manière de voir la suite de la vie. Alléluia. Ainsi donc, il nous a dit que dans ces différents compartiments de la vie, de génération, nous avons l'étape de la famille. Après l'étape de la famille, nous avons aussi l'étape de l'enfance. Nous avons l'étape du primaire, de la maternelle jusqu'à ce qu'on finisse le primaire. Nous avons l'étape du secondaire. Nous avons l'étape de la vie estudiantine. Nous avons l'étape de la vie professionnelle. Nous avons l'étape de la vie privée, notre intimité. Nous avons l'étape de la vie en association. Donc, vous voyez que ces différentes étapes sont rattachées aux générations. Et donc, cette saison-là, ou ce dont nous voulons parler ce matin, doit pouvoir nous interpeller tous les jours lorsque nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et un éminent serviteur de Dieu pouvait dire que cette action qu'il appelait une saison, il dit que elle est nécessaire pour tout chrétien ou pour tout homme. Il dit que elle est nécessaire que nous la vivions, que nous la traversions, mais que nous la comprenions, que nous la supportions et que nous la connaissions. Alléluia. Parce que d'imminents serviteurs de Dieu sont passés par là, d'autres sont encore en plein dans la saison. Mais peut-être que toi et moi, on n'est pas encore arrivés. Mais je ne crois pas. Je pense peut-être que nous sommes passés par là, quand nous étions encore peut-être plus jeunes, pour certains, de son coin en plein à l'intérieur. Et je prie que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin à partager un temps soit peu, ou à échanger un temps soit peu, sur ce thème que je voulais présenter ce matin. Il est aussi important que nous sachions que si nous avons échappé à cette saison, il n'est pas sûr que nous finissions notre vie sur la terre sans que cette saison nous rattrape. Alléluia. Je voulais parler ce matin du rejet. Oh, ton amen n'est pas fort. Je voulais parler ce matin du rejet et de ses blessures. Le rejet, comme l'a dit cet homme de Dieu, il dit, c'est une saison. Elle peut se présenter à ta porte entre tes 1 an et tes 10 ans. Elle peut se présenter à ta porte entre tes 10 ans et tes 20 ans. Elle peut se présenter à ta porte entre tes 30 ans et tes 40 ans, même tes 80 ans et tes 90 ans.
Si elle ne s'est pas présentée à toi quand tu étais étudiant ou quand tu étais élève, elle peut se présenter à toi quand tu es fonctionnaire. Donc, dans un âge de maturité et en pleine connaissance et en pleine totalité de tes facultés, cette saison peut se présenter à toi. Mais si tu n'y prends garde, elle peut te détruire. Et elle laisse toujours des séquelles. Et si on ne t'aide pas, ou si tu ne connais pas les principes qui doivent s'activer pour que tu cherches à sortir de cette saison, beaucoup sont morts dans cette saison. Alléluia. Même le Maître, notre Seigneur, n'a pas échappé à cette saison. Je veux donc ce matin que nous puissions parler du rejet et de ses blessures. Naturellement, quand on parle de rejet, il y a toujours des blessures. Donc, les blessures sont, des blessures émanent du rejet. Ce matin, on va juste voir quelques blessures que nous allons présenter. Mais je voulais juste faire apparaître le fait que c'est une saison que tu vas vivre. Si tu l'as déjà vécu, tu vas encore le revivre. Mais il faut que tu te prépares à cela. Tu ne peux pas échapper. Et tu ne peux pas prier pour ne pas que ça t'arrive, parce que c'est arrivé au bois vert. Jésus dit, si moi tu suis le bois vert, c'est-à-dire moi tu suis sans péché, si on a pu me tuer pour rien, et toi tu es rempli de péché, il y a beaucoup de raisons pour qu'on te tue vite, mais c'est ma grâce qui te garde. Donc ne prie pas pour ne pas que ça t'arrive. Prie pour que ça t'arrive vite, pour que tu sois vacciné. Et quand ça va t'arriver dans une autre tranche encore d'âge, tu pourras t'appuyer sur ce que tu as connu, n'est-ce pas, pour que tu sortes victorieux ou rapidement de cette traversée ou de cette saison. Alléluia. Donc, je dis, je voulais parler du rejet et de ses blessures. Nous allons aller en Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous avons un test là qui va nous faire beaucoup de bien. Matthieu chapitre 13, du verset 53 au verset 57. Je fais la lecture si nous suivons. Je lis selon la version Louis Segond. Donc par moment, le vocabulaire peut varier. Mais la pensée demeure la même. Matthieu chapitre 13, verset 53 au verset 57. La Bible dit, « Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Amen. Adonai, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ce thème. Merci pour ton peuple. Nous prions que tu disposes par le Saint-Esprit notre entendement et que tu nous donnes, Seigneur, de recevoir de ta part cette nourriture qui, je crois, va nous faire du bien. Nous prions que l'atmosphère soit soumise à ta toute-puissance et que ce qui n'est pas digne de toi soit chassé du milieu de nous au nom puissant de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui s'active puissamment et qui glorifie ton nom. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Voici donc notre test du jour. Nous lirons d'autres tests. Ici, une histoire nous est présentée. On nous parle du maître, pas de Jésus. On dit que Jésus est né à Nazareth. Il se trouvait que dans les anciens temps, quand on naissait, on grandissait selon la lignée de la famille. Si tu es né dans une famille d'agriculteurs, tu vas donc grandir et tu seras connu comme fils d'agriculteur, donc tu seras agriculteur. Si tu es né comme fils de forgeron, comme fils de menuisier, comme fils de charpentier, tu devais rester dans cette classe et donc évoluer. Ça fait que c'était plus facile dans l'ancien temps. Quand des rois devraient bâtir une armée, il y a ce qu'on appelle la famille des guerriers. Vous comprenez? Il y a ceux qui avaient cette capacité de manier les armes, qui avaient cette facilité, qui avaient ce don. Donc, voici que Joseph, qui est charpentier, donc qui est né et qui a grandi et qui a été connu par le métier de ses pères et qui est en train d'exercer ce métier, va donc se rapprocher, selon la parole de Dieu, de Marie. Et comme nous connaissons tous l'histoire, Jésus va donc venir à l'existence. Donc ce Jésus-là a donc pour trace Joseph, qui est son arrière-plan et qui est rattaché à un métier déterminé. Alléluia. Nous parlons ce matin du rejet et de ses blessures. La Bible dit que quand Jésus a commencé à grandir, à 12 ans, il a commencé à parler de la part du maître. Et il va arriver un jour, il va arriver à Nazareth, dans sa ville où il est né, où on l'a connu, où on l'a vu comme bébé, où on l'a vu grandir, jouer comme tout le monde, où on sait que son père, c'est Joseph, le charpentier. Parce que si on n'ajoute pas le charpentier, le thème de ce matin n'aura pas de sens. Alléluia. Si on n'ajoute pas le qualificatif de ton père en te parlant, tu ne vas pas comprendre ce qu'on veut donner comme message. Quand on dit, mais qui fait du bruit dehors là? On dit, non, c'est Dagobert. On dit, c'est le fils de qui? On dit, c'est le fils de Bé. On dit, Bé, le plombier là, on dit oui. Mais pourquoi il fait du bruit devant la porte? Vous me suivez? Dagobert, fils de Bé, fait du bruit. On demande c'est qui? Son père plombier. Mais pourquoi il fait du bruit? Mais si on dit c'est qui? On dit c'est Ricobert, le fils du ministre de la Défense. On dit, mais donnez-lui un micro. Alléluia. En fait, je veux qu'on comprenne où nous sommes et pourquoi le rejet est un problème. Alléluia. Donc, ça m'a amené à aller voir dans le dictionnaire pour voir le rejet veut dire quoi. Parce que pourquoi on dise à Jésus, par exemple, il a fait une démonstration de force et de puissance où les gens voient des miracles, ils voient des prodiges, mais ils ne veulent pas s'en tenir à cela. Mais ils demandent, est-ce que c'est le fils du charpentier? Comme pour dire, ce qu'il manifeste là, ça sort d'où? En fait, il n'a pas le droit de manifester ça. Donc, il faut qu'on le lui rappelle. Alors, si on ne te rappelle pas qui tu es, tes origines, comment tu peux pas être, comment tu peux avancer? Il faut qu'on te rappelle pour que tu restes tranquille. Dinga, dinga. Il faut qu'on te rappelle quand même. Ainsi, le test dit, pendant que Jésus est en train de travailler, en train de faire des miracles, des guérisons, des délivrances, il est en train de prêcher la parole de Dieu qui est puissante. Des âmes se convertissent. Les hommes qui ne le connaissent ni de père ni de mère sont en train d'être émerveillés parce qu'il fait. Ceux qui le connaissent de père et de mère vont s'approcher pour faire plus de bruit, pour demander. C'est qui même? Et puis un dit, c'est le fils du charpentier. Là. On dit, ah! Joseph, on dit oui.
C'est pas lui qu'on dit sa femme est tombée enceinte et puis on dit c'est lui. On dit, ah, mais comment cette femme peut se comporter comme ça? Et il nous présente des choses qui sont nouveaux puis bizarres. Oh, mais où il a appris ça? Donc, on met en place un mécanisme qu'on appelle le rejet. Et à l'intérieur, quand je suis allé voir dans le dictionnaire, on m'a dit que le rejet, je vais le lire pour vous, pour être conforme à ce qu'on m'a dit. On m'a dit que le rejet peut correspondre à une opposition. Le rejet peut correspondre à un refus. Le rejet peut s'apparenter ou peut être considéré comme une forme de mépris. On dit le rejet peut être considéré comme une forme de dénigrement. On dit le rejet peut être considéré comme un abandon. Et on dit que le rejet peut être quoi? Considéré comme une rupture amicale. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Donc en fait, le rejet est une âme qui déstabilise, est une âme qui détruit. Alléluia. Le rejet, ainsi défini, est une situation qui, quand ça t'arrive, si tu n'es pas bien équilibré dans le Seigneur, le rejet peut t'amener à la mort. Le rejet peut t'amener au suicide. Le rejet peut t'amener à te détester toi-même. Le rejet peut t'amener à ne plus vouloir t'associer aux gens. Donc, le rejet est une âme destructrice, mais qui se présente à chaque génération. C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas encore été rejeté, ou le rejet est une forme de mépris, tu ne comprendras pas de quoi je parle ce matin. Si tu n'as pas encore été rejeté, comme rejeté en grec correspondant à un abandon, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas encore été rejeté, comme étant une rupture amicale, tu ne peux pas comprendre. Mais si tu as déjà vécu ces choses, tu te dois de t'attacher beaucoup plus à Jésus-Christ. Parce que le rejet laisse des blessures. Le rejet laisse des blessures. Ainsi donc, Jésus à Nazareth va réaliser, et comme il est Dieu, il va comprendre l'explication que j'ai découverte dans le dictionnaire, et mieux que ça, il va le voir dans le cœur des gens qui étaient en train de parler. Ainsi donc, le maître va dire, il est difficile d'être prophète chez soi. Dans la maison de son père, il est difficile que tu sois prophète. Nous serons rejetés et vous serez rejetés. Il faut que vous le sachiez. Oh, ton amen n'est pas fort. Tu seras rejeté et il faut qu'on te rejette pour que tu apprennes ce que c'est que le rejet. Et quand le Saint-Esprit va te renouveler, tu comprendras quand on souffre du rejet, comment aider les autres. Et comment se comporter quand il y a le rejet? Si on ne t'a pas rejeté entre 1 an et 10 ans, on va te rejeter entre 20 ans et 30 ans. Si on ne t'a pas rejeté entre 20 ans et 30 ans, on va te rejeter dans ta fonction professionnelle. Si on ne t'a pas rejeté, on va te rejeter dans ton foyer. Si on ne t'a pas rejeté, on va te rejeter dans tes études. On va t'abandonner en chemin. On va même te mépriser, même avec ton master 2. Ça fait partie de la vie. Et la vie chrétienne. Nous allons prendre un test biblique pour étayer nos propos. La Bible dit, après le test de Matthieu que nous venons de lire, où Jésus a été rejeté, où il a été humilié, ce même Jésus encore, dans d'autres tests encore, il va encore le faire. Dans le livre de Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 12, Jean chapitre 1,
du verset 11 au verset 12. La Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous savons tous que Jésus était venu pour les Juifs. Et il le dit même. Il dit, le salut vient des Juifs. Et il disait aux autres, vous ne savez pas ce que vous adorez. Mais ces Juifs-là ont rejeté Jésus. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a changé de contrée. Alors, j'ai pas entendu Amen. Amen. Jésus a changé de contrée. Le rejet fait partie du principe et du programme de Dieu. Ce n'est pas une sorcellerie. Ce n'est pas une malédiction. C'est une étape de formation de ta vie et de ma vie. Dieu utilise le rejet pour former ses serviteurs et ses servantes. Et Dieu n'oblige pas tout le monde de le recevoir. C'est pourquoi certains continuent encore de rejeter Jésus-Christ. Même jusqu'à nos temps. Il y en a quand tu vas dire Jésus, va dire c'est qui? Vous croyez encore à ces fables-là? Oh, c'est de n'importe quoi. C'est un rejet. Alléluia. Donc le rejet, nous devons nous préparer à comprendre que si le rejet est une saison, quel âge avions-nous ou avons-nous pour voir à quelle étape nous avons été rejetés? Parce que quand le rejet te visite une fois, comme on a dit, ça laisse des blessures. Et souvent, ces blessures-là ressurgissent très souvent. Quand on commence à exercer son autorité sur son territoire où on a le plein pouvoir. Généralement, les gens qui ont vécu le rejet, qui ont vécu le mépris, qui ont vécu l'abandon, qui ont vécu, n'est-ce pas, la rupture amicale, quand ils savent qu'ils sont dans une position de faiblesse, ils ne réagissent pas, mais ils gardent. Et le jour où, d'après eux, Dieu leur fait grâce, et qu'ils arrivent sur cette plateforme où ils ont les moyens de manifester, ou de contrôler, ou de diriger, ou de dire leurs mots, ils vont te rappeler une histoire quand il avait 15 ans. Et tu te demandes comment il a fait pour garder ça. Parce qu'après 15 ans, et tout ce qu'on a fait après 15 ans, ce n'est pas suffisant pour effacer ce qui s'est passé à 15 ans. Le rejet est une âme redoutable. Nous devrons chercher à l'étudier en profondeur. On aura passé le temps pour décortiquer les différents aspects. Mais je voulais exhorter le peuple de Dieu que vous êtes. Parce que comme je dis toujours, l'avantage que nous avons ici, nous avons affaire à des intellectuels. Et donc il est important que nous fassions des recherches et des études pour mieux décortiquer, pour disséquer ce que c'est que le rejet. Il y a eu des familles où par le rejet, des vies ont été détruites. Alléluia. Il y a eu des familles où, comme on peut parfois appeler familles recomposées. En Afrique, nous avons plus de familles recomposées. Parce que chez nous, on peut marier plusieurs femmes dans nos familles africaines. C'est l'évangile qui nous a donné la doctrine qui dit non, qu'un homme est pour une femme. Mais quand tu rentres dans le monde séculier, on dit qu'un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'autrefois, la richesse d'un homme provenait de son travail manuel. Or, plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez graver ou bien chose, avoir beaucoup, glaner beaucoup de champs. Donc, il y a la main-d'œuvre gratuitement. Donc, quand tu as 5 femmes et que chaque femme te fait 10 enfants, ça te fait 50 enfants. Et quand la saison arrive, tu donnes une parcelle à une femme, elle va aller travailler avec ses enfants. C'est pourquoi, autrefois, nos parents avaient beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Souvent, quand ils sont vivants encore, ils arrivent à gérer les choses. Parce que leur autorité s'impose à tout le monde. Mais quand souvent ils décèdent, c'est là que ce travail-là
commence. Le rejet. Les divisions. Les frustrations. Les mépris. Les ruptures. Et quand tu grandis dans ce contexte, et comme tu es soumis à une pression où tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas aussi te venger, tu peux aussi te rebeller, tu restes attaché à cette soumission, quoique tu ne veuilles pas. Mais quand demain tu commences à grandir, parfois la parole de Dieu, tu es chrétien et tu es assis ici ce matin, mais dans ton subconscient et dans ton fondement, il y a encore des blessures de rejet qui sont encore gravées. Tu pries pour que ce soit comme un volcan où il va avoir une bouche qui va se sortir, qui va s'ouvrir pour que tu sortes tes laves. J'ai appris des histoires, je n'ai pas connu ça particulièrement, où on m'a expliqué que, j'ai même vu ça dans les scènes de théâtre même, où un homme a enceinté une femme. Et il était au plus fort de son temps. Et il a refusé la grossesse. Dans le sketch que j'ai regardé, on dit, l'enfant lui ressemblait tellement que même en discutant, on lui disait, ce que tu dis là, c'est pas vrai, parce que l'enfant te ressemble trop. Il dit, même s'il me ressemble comme une goutte d'eau, j'ai dit, c'est pas mon enfant. Vous comprenez? Et donc, les parents maternels de la fille ont pris l'enfant et l'ont élevé. Et puis l'enfant a grandi. Et puis l'enfant a réussi. Il s'est trouvé dans le sketch que j'ai regardé et on nous a dit que c'était une histoire vraie qui a été transformée. Il s'est trouvé que cet homme-là, traversant des périodes difficiles, a donc voulu entrer en contact avec ce fils-là. Il attend. Dans le sketch, le fils s'est comporté comme normalement. Il a rejeté l'homme. Il a refusé de l'aider. Parce qu'il dit que, comme l'homme, dans l'histoire qu'il a appris, on dit l'homme ne l'a pas reconnu, donc lui aussi, l'homme, il ne le reconnaît pas aussi comme son père. Même s'il se ressemble comme deux gouttes d'eau, lui, il ne le reconnaît pas aussi. Vous voyez ce qui s'est passé? Parce qu'il a été rejeté, il a été blessé, sa mère a été blessée, on lui a transmis les sémences de cette vie. On dirait peut-être que son attitude est juste. Mais quand on ouvre la Bible, c'est là qu'on commence à voir le problème. Quand on ouvre la Bible. Sinon, quand on reste dans le monde séculier et puis on s'assoit pour discuter, on dit, mais il a raison. Mais quand on vient dans le spirituel et puis on ouvre la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, si lui n'a pas été digne de jouer sa partition, tu sais qui il est et tu connais Jésus. Tu ne peux pas expliquer à Jésus pourquoi tu prends cette position? Parce que ta mère t'a déjà fomenté. La Bible va s'opposer à toi. Donc cette blessure va remonter. Pourquoi? Parce que maintenant tu as le pouvoir. Et c'est ce qui fait souvent les gens dans le corps de Christ. Parce qu'on a ce passé-là qui nous rattrape. Et parfois, ça rend mélancolique nos vies. Et on est en Christ et on n'arrive pas à avancer. Parce qu'on a des blessures. Le rejet est une maladie qui est très grave. Si tu n'y prends garde. Tu penses peut-être que ce n'est pas grave. J'ai connu une jeune fille qui, à son jeune âge, chez son oncle, s'est fait violer par son cousin. Et ça l'a traumatisée. Quand je faisais sa connaissance, elle était professeure, je crois, de français dans un lycée. Quand un homme l'approche, elle est irritée. Elle est irritée. Quand un homme l'approche, si un homme lui fait des avances, elle lui tient des propos mal placés, d'impolitesse. On ne peut pas dire son nom. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a vécu l'a traumatisé. Tenez-vous bien, elle est devenue chrétienne. Si le Saint-Esprit ne vient pas pour l'aider, le rejet de sa vie va détruire sa communion avec le Seigneur. Elle va faire croire aux gens qu'elle est chrétienne. Mais la Bible dit, Dieu regarde au cœur. Est-ce que je communique ce matin?
C'est pourquoi Jésus dit que la parole est venue parmi les siens, c'est-à-dire ceux qui avaient droit de la parole. Ceux qui avaient cet avantage d'être les premiers. La Bible dit, ils ont rejeté ça. Ça fait maintenant 3 ans que je suis ici. Je prêche toujours, Dieu m'est témoin. On n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à se pardonner. On n'a qu'à se parler. On n'a qu'à se supporter. Mais il y en a qui refusent de se parler et puis ils sont dans l'église ici. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on lui a fait qu'il ne veut pas pardonner. Mais il prend Saint-Saint, il prêche, il prie et puis il y a un miracle. Le Seigneur te dira, je n'étais pas connu arrière de moi. Et c'est de ça que je parle ce matin. Le rejet laisse des blessures. Si tu veux regarder à la manifestation du rejet tel que tu l'as reçu, tu ne pourras pas être un instrument que Dieu va utiliser. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que quand ça ne va pas, quand tu prêches l'évangile, que l'évangile te guérisse et te délivre pour que tu reviennes au nom de la parole de Dieu. Pas au nom du monde séculier, non. Oh, ton ami n'est pas fort. Ou bien tu n'es pas d'accord avec moi. Jésus dit, on m'a rejeté. Je voulais faire plus de miracles à Nazareth. Mais on dit, je suis le fils de Joseph. Qu'est-ce que vous pouvez recevoir de moi? Ainsi, il dit, on ne peut pas être prophète dans sa maison. Même si tu finis un master 8, laisse-moi te dire, le jour où tu vas retourner chez ton papa, tu seras son fils. Tu ne seras pas master 8. Alors, ton amène n'est pas fort. J'ai dit, si tu finis avec doctorat 29, alléluia, depuis 17 ans, t'as envoyé au Sénégal. Tu as préféré 8 ans, 10 ans ici. Le jour où tu repars dans la famille, on va dire, notre fils ou notre fille est arrivé. Ceux qui vont le dire là, c'est ceux qui t'ont mis au monde. C'est pas ça? Tu seras jamais plus vieux qu'eux. C'est pas ça? Mais si tu développes des mauvais comportements, en étant loin d'eux, tu vas payer le prix de ton mauvais comportement quand tu seras au pied d'eux. Parce que quand tu quittes ici, même quand tu vas aller travailler dans la maison familiale, quand tu quittes ici là, c'est pas quand tu arrives à Dakar ou au Congo net ou bien à Pointe-Noire ou bien au Gabon ou en Côte d'Ivoire. Dès que tu arrives, tu ne travailles pas. On te pose tes bagailles où? Dans la maison familiale. En donne quelle place? Le petit lit qu'on t'avait laissé quand tu partais. Alléluia. Oh, à Dakar, demain, c'est un grand lit. Le rejet, donc, nous devons donc comprendre que le rejet a des blessures ou le rejet du rejet émane des blessures. Et on nous dit que l'une des blessures que le rejet nous présente, on appelait ça la blessure émotionnelle. Alléluia. Et il est dit que de la blessure émotionnelle, il y a un comportement qui ressort de cette blessure. C'est le comportement, n'est-ce pas, de se mettre de côté. On dit que c'est le comportement qui fait qu'on crée ce qu'on appelle des distances. Quand nous avons une blessure émotionnelle, on ne veut plus être au contact de cette personne. On ne veut plus être dans le milieu de cette personne. On ne veut plus discuter avec cette personne. On ne veut plus se rapprocher de cette personne. Naturellement parlant, ça paraît juste. C'est pour éviter les dégâts. Mais si dans ta pensée, en Christ, ce n'est pas vrai, le Saint-Esprit saura que tu l'évites parce qu'il t'a fait du mal. Et tu l'évites parce qu'il n'a pas encore pardonné totalement ce qu'il a fait. Ou tu l'évites parce que tu penses que sa prière n'est pas compatible. Tu ne veux pas réagir négativement. Tu ne veux plus rien dire. Mais s'il est trop présent dans ton périmètre, il va te provoquer. Et ça va te créer des problèmes. Et tu vas dire des choses, tu ne vas pas te contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une maladie que tu es en train de traîner. C'est une blessure. Le rejet peut détruire ta confiance dans le Seigneur. Or, à chaque génération, cela se présente. Il y a des gens qui, après avoir travaillé fort à l'école, bien à l'école, ont perdu leur emploi juste après 6 mois dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'ils ont gardé, qu'ils ont développé. Et quand dans l'entreprise, on veut leur soumettre ce que l'entreprise veut, ils rejettent. Parce qu'ils ont déjà gardé un rejet, une blessure de rejet, qui fait que ce que tu es en train de faire est incompatible. Ils vont
un effort une fois. Il va faire un effort deux fois. Troisième fois, il va te dire ce qu'il pense. Oh, on ne dit pas à son patron ce qu'on pense. Vous vous préparez à aller l'autre côté. Là-bas, on ne dit pas à son patron ce qu'on pense. Et ce n'est pas souvent sûr que ton patron soit plus intellectuel que toi. Ce n'est pas souvent sûr. Parce qu'à la nouvelle génération que nous avons, beaucoup de jeunes gens sont tellement intelligents qu'ils ont des plus gros diplômes. Et quand ils arrivent, vous êtes encore tout jeune. Et les gens vous recherchent. Pourquoi? Parce qu'avec vous, ils vont encore bénéficier de vos fraîcheurs avant que vos retours ne se cassent. Pour marcher avec béquille, là. Ils vont bien vous utiliser. Leur entreprise va prospérer. Donc, ils veulent enlever les vieux pour mettre les jeunes. Mais si tu traînes des blessures, ou toi, quand on te choque émotionnellement, toi, tu rejettes. Ça fait 2 ans que tu es dans l'entreprise. Le patron t'a choqué et devant tout le monde. Et tout le monde est conscient qu'il t'a vraiment choqué. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu sais que Jésus a été choqué. Oh, ton amen n'est pas fort. Je disais que quand tu as le Saint-Esprit, on a dit à Jésus, c'est toi Jésus, il dit oui. C'est le fils de Jésus, il dit oui. Le charpentier là, il dit oui. Marie, il dit oui. Il dit ok. Si tu sais qui tu es, c'est suffisant. C'est comme ça qu'on parle. Oui, toi c'est qui? Et puis on te demande ton père. Et puis on te donne sa classification. Quand on finit, et puis on coupe. Tu as envie de dire, mais et la suite? Il faut analyser. En fait, c'est une façon de te mépriser. De te choquer violemment pour que tu restes calme. C'est pourquoi vous allez voir que quand les gens ne sont pas bien convertis, ils ont comme l'impression qu'en frappant fort, ils vont avoir le pouvoir de te calmer. C'est quoi point 8, point 9? Quand ils s'énervent, alors on va se battre. Comme si la bagarre devenait la solution au problème qui nous divise. C'est pourquoi vous allez constater que quand deux personnes ne se comprennent pas, ils sont tout près ici, mais leur voix est au carrefour là-bas. Pourtant, ils sont face à face. Mais quand ils se comprennent, ils peuvent parler. Tu vois, mais vous dites quoi même? Et puis ça sourit. Parce que l'amour est là. La compréhension est là. La douceur est là. Le rejet laisse les blessures. Et si nous nous prenons garde, les blessures de rejet peuvent influencer notre marche avec le Seigneur. Je prie ce matin que cela ne soit pas notre cas. On ne peut pas souffrir pendant des années. Depuis 6 ans, vous partez à l'école. Depuis 6 ans. 4 ans pour d'autres. C'est-à-dire, depuis que vous êtes né, vous avez commencé à parler là. Vous êtes à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez 22 ans, 23 ans. Vous êtes encore à l'école. Normalement, la logique aurait voulu que vous puissiez jouir des retombées de ce que vous avez acquis comme connaissance dans les grosses entreprises et dans les meilleures conditions. Mais même à la fin du système, si le rejet t'avait déjà visité et que tu n'as pas pu tirer des conclusions constructives selon la parole de Dieu, tu peux ruiner toute ta vie en une fraction de seconde. Et je le dis toujours, j'ai connu un jeune Sénégalais quand j'étais en Côte d'Ivoire. Il y avait des structures de communication qui venaient d'apparaître. On avait besoin de compétences. Et il est arrivé, il avait cette compétence-là. Il a été le plus grand vendeur dans le trimestre. Et puis il a été félicité par ses patrons. Ceux qui l'ont dans la boîte ont été humiliés. Vous savez ce qu'on a fait? Ils l'ont paralysé. Quand moi je faisais sa connaissance, il ne peut plus marcher, il ne peut pas s'asseoir. Ses parents l'ont fait venir au Sénégal ici. C'est d'ici qu'il a été guéri et puis ils sont répartis au pays. Et c'est d'ici, avec les mystères d'ici, ils lui ont dit qu'au bureau, à l'entrée de son bureau, ils ont laissé une poudre qui n'est pas visible à l'œil nu. Il a mâché cette poudre-là, c'est ce qui l'a paralysé. Et ce sont ses collègues de service qui l'ont fait. Bon, dis-moi, ça va servir à quoi? De finir 22 ans d'études pour qu'un incirconcis, fils d'incirconcis, éloigné des choses, des mystères, viennent te paralyser. Juste parce qu'en toi, il y a des blessures que tu n'as pas laissé passer par le Saint-Esprit. Et puis, il va te rattraper. Parce que les blessures que le rejet laisse, c'est des portes d'ouverture dans ta vie spirituelle. Quand par la blessure émotionnelle, tu rejettes tout le monde et tu n'es plus compatible avec les gens, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de diviser l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas en train d'amasser. Jésus n'a pas rejeté, toi tu rejettes. On va dire quoi? Tu dis non, je suis trop prudent, je suis méfiant. Non, tu n'es pas plus intelligent que Jésus. Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. Oh, c'est pour toi que je suis venu parler ce matin de la part de l'Éternel. La Bible dit que, parlant des blessures du rejet, on a l'abandon. Et dans l'abandon, il y a un phénomène qui se déploie. On appelle ça le masque social. C'est-à-dire ce masque social-là, ce qu'on appelle
la fuite de la réalité. C'est-à-dire, on t'a abandonné au moment où tu as le plus besoin des membres de ta famille. Et beaucoup parmi vous vivent ce genre de choses. J'ai connu un frère, quand nous étions au pays, son grand-père était très riche. En tout cas, si c'est richesse, il a ça. Lui, il peut offrir une maison cadeau aux jeunes filles. Maison de 30 millions, 40 millions, il paye et puis donne cadeau. Si il aime ton affaire, il paye une voiture et puis il te donne. Ce n'est pas une voiture de 2 millions, hein. Il paye pour 50 millions et puis il te donne. En tout cas, il avait ça. Et il était le petit frère de cet homme-là. Et il a fini avec le bac. Il n'a pas pu entrer à l'université. Et un jour, il vient à l'entretien. J'étais là, au service. Et il parle, et puis il commence à pleurer. Et il me dit, il va botter son grand frère. J'ai dit, tu as fait quoi? Il dit, j'ai le frappé. Il dit, oui. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, il m'énerve. J'ai dit, ah! Bon, d'abord même, tu vis chez lui. Tu manges chez lui. Bon, lui, il pense qu'il t'est nourri. Toi, tu ne peux lui faire rien. C'est pas ça? Bon, maintenant, là où il habite, comme c'est un homme qui est très riche, c'est-à-dire l'honneur qu'il a là. Quand tu sors de chez lui, il y a un peu sur toi. C'est-à-dire quand tu parles, non, c'est le petit frère du... Donc quand tu passes, on te respecte. Mais quand tu penses, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a ce que toi, tu attends de lui qu'il ne fait pas. Bon, maintenant, si tu le frappes, tu fais comment? Il dit, je quitte chez lui. Il dit, c'est pas tout. Tu vas devenir plus misérable. Or, si tu penses qu'il paye une maison cadeau pour les jeunes filles, ça veut dire qu'il a les moyens de payer. Il dit oui. Il dit, ok. Pourquoi tu ne prenais pas des temps de jeûne, des temps de prière pour dire à Dieu, de la même manière, son cœur se dispose pour ceux à qui il fait les dons là. Son cœur n'a qu'à disposer pour toi, pour que toi aussi, il te fasse des dons. Pourquoi tu ne dis pas ça à Dieu, pour que tu prennes des temps de jeûne, même si c'est 6 mois, même si c'est 8 mois de prière, pour que Dieu te visite et que Dieu le touche, pour qu'en retour, il se souvienne de toi. Est-ce que ça, c'est pas plus facile que de le botter? Mais en fait, il avait une blessure interne. Il trouvait qu'on le minimisait. On le méprisait. On ne s'occupait pas de lui. Et c'est ça que l'ennemi a pris pour le reconstruire. Donc pour lui, comme c'est une force qui domine en lui, un feu, la meilleure façon de se calmer, c'est de boxer. Comme ça, en boxant, il se déprime un peu et puis la chaleur descend et puis il devient normal. Je lui ai dit, ne fais pas ça. On va prier ensemble. Dieu merci, on a commencé à prier ensemble. On a même pas fait 3 mois de prière. Son grand frère l'appelle un soir. Il dit, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Il dit, tu voulais faire quoi là? Il dit, bon, je voulais entrer. Tu sais, quand on gratte les cheveux rapidement, quand c'est un babatier, c'est-à-dire quand c'est un homme puissant financièrement, quand il te parle, tu veux montrer que tu es trop petit quoi. Donc il y a des petits gestes qu'on fait souvent. Non, en fait, je voulais. On arrête un peu la chemise. En fait, je voulais entrer à l'école des infirmiers. Il dit, ah bon, tu voulais entrer à l'école des infirmiers? Il dit, oui. Il dit, ah, bon, c'est pas grave. Renseigne-toi, et puis dis-moi, c'est quand les examens, et puis dis-moi, les dossiers qu'on doit faire, il faut combien? Le frère s'en va se renseigner. On dit que les dossiers, c'est encore ouvert. Donc, rapidement, il vient dire à son grand frère, on est tous en train de prier. Son grand frère donne l'argent. Et quand il s'en va composer, son grand frère appelle le ministre, enfin non, le directeur de l'institut. Parce que c'est son petit à lui. C'est-à-dire, quand eux, ils fréquentaient ceux-là, quand ils arrivaient, où ils étaient là, c'était les petits frères. Donc, il y a un lien de reconnaissance qui existe entre eux. Mais le petit frère, il ne sait pas. Donc, il appelle son petit et puis il lui parle de son petit frère. Puis il lui dit, considère que c'est fait, patron. Et les résultats sortent, le frère a admis. Pendant que le frère à l'école d'infirmier, il lui demande, mais dis-moi, dans l'église là, où tu vas tous les jours là, tu n'as pas une sœur là-bas? Au moins toi, tu ne regardes pas les sœurs aussi. Il fait comme ça. si, je prie avec une sœur. C'est comme ça. C'est-à-dire, quand les blessures du rejet sont contre toi, tu as comme l'impression de dire que tu es trop fort. Et ça te pousse à commettre des impairs. Et après, tu regrettes l'acte que tu poses. Je ne veux pas que ce soit notre cas ce matin. Ainsi donc, on va appeler sa fiancée. Elle va rentrer aussi à l'école d'infirmière. Aujourd'hui, les deux travaillent. Ils sont mariés dans les enfants. Si on ne lui avait pas parlé de Jésus-Christ,
de ce que Jésus-même a été rejeté, il n'a pas tué tout le monde. Lui, tu avais le pouvoir de tuer là. Il aurait pu brûler tout Nazareth pour dire, au nom du feu, descends, et puis tout se brûle. Il a quitté Nazareth, il allait en Galilée. Oh, ton amen n'est pas faux. Je vais finir bientôt. Le rejet donc a des blessures. Jésus en a souffert. Même Moïse, on ne le lira pas, mais dans le texte de Exode 2, du verset 11 au verset 14, Exode chapitre 2, verset 11 à 14, Moïse en a souffert. La Bible dit, Moïse était dans la maison de Pharaon. Et selon la culture pharaonique, on était en train de préparer Moïse à la relève. Donc Moïse était un homme très important dans le dispositif de Pharaon, dans sa croissance. Mais la Bible dit, à un certain moment donné de sa vie, Moïse a commencé à prendre conscience de ce qu'il est. C'est-à-dire sa vraie nature à lui. C'est vrai qu'il est dans une peau de fils de Pharaon, mais à l'intérieur de lui, Moïse sait qu'il est israélite. Avec toute la décoration qu'on lui a faite, avec tous les chapeaux. Mais son sang qui coule en lui, c'est un sang d'un israélite. On dit donc, Moïse va commencer à faire quoi? À réaliser que son peuple souffrait. Et il va vouloir aider ce peuple selon lui sa capacité et ses moyens de compréhension. On dit, il va donc un jour assister à une scène qui va le pousser à agir selon son bon programme. Il va tuer une personne. Moïse, pour lui, c'est pour défendre l'Israélite qu'il a défendu. Pour Moïse, c'était pour aider son frère, pour Moïse. Aujourd'hui, on t'envoie un mandat. Tu es content. Comment on fait pour envoyer un mandat, tu ne sais même pas. Où on enlève pour t'envoyer, tu ne sais même pas. Mais tu te comportes comme un fonctionnaire. Et demain, quand on va te dire tes petits frères sont là, il faut l'envoyer un mandat, ton âge n'est pas beaucoup. Mais quand nous on envoie, on enlève ça où? Ce n'est pas valise on a, comme ce qu'on a vu dans les télévisions, ou là, on est dans la maison là. Nous, on n'a pas ça. Il y en a qui ont des valises et des mallettes, mais nous, on n'a pas ça. Pour dire quoi? Le modèle qu'on te présente en tes dents, c'est le modèle qui va suivre. Et comme tu as Christ, tu dois pouvoir être un canal de bénédiction pour ceux qui viendront après toi. Et à la longue, quand les parents prendront de l'âge, tu dois être celui-là qui va pouvoir les aider. Mais si tu n'as pas appris, tu fais comment? La Bible dit que celui-là même que Moïse a cru aider, le lendemain, quand Moïse s'est présenté en train de faire la visite, s'attendant certainement à une reconnaissance, parce que quand même, on te frappait, puis j'ai tué lui qui te frappait, puis j'ai caché son corps. La Bible dit, je ne sais pas comment elle a regardé Moïse ce jour-là, mais qu'est-ce que Moïse a voulu lui dire pour lui dire, frère, comment tu vas? Je ne sais pas comment elle a compris comment tu vas. Je ne sais pas comment elle a compris ça. La Bible dit, elle a dit à Moïse, qui t'a établi chef sur moi? Ah, à quoi toi j'ai tué quelqu'un hier? Mais tu me demandes qui m'a établi chef sur toi? Et quand j'ai tué lui là, hier là, qui m'avait établi chef sur toi quand je l'ai tué pour toi? Comme pour dire, tout le monde n'est pas appelé à être reconnaissant. Tout le monde n'est pas appelé à être reconnaissant. Il nous faut marcher par l'Esprit de Dieu pour poser les pas selon l'Esprit de Dieu et n'attendre que de Dieu les récompenses, pas des hommes. Oh, ton amen n'est pas faux. Donc, le casque, ou parlant de la blessure d'abandon, cette blessure-là va faire quoi? Va donc te donner de développer un caractère, de te cacher sous un faux masque. Tu fais comme si tout va bien. Tu fais comme si ce n'est pas grave. Tu fais comme si tu tiens le coup. Mais en fait, tu ne tiens pas le coup. Tu es en train de pourrir à l'intérieur. Que dans ta vie, je ne sais pas dans quelle génération tu es, mais si dans les générations antérieures, des actes avaient été posés, si tu les as gardés, je te prie, ce matin-là, avant de sortir d'ici, il faut les déposer devant le maître. On va les chasser. Et Dieu va te guérir ce matin. Si tu n'as pas encore vécu ces expériences, je prie que tu fasses attention, parce que tu vas les vivre. Si ce n'est pas à l'université que tu n'as pas vécu,
Tu vas le vivre dans l'entreprise. Si ce n'est pas dans l'entreprise, tu vas le vivre dans ton foyer. Oh, dis-moi amen. Ne pensez pas que foyer, là, c'est des hommes en... Comment on appelle ça? En poupée. Ce n'est pas des femmes en poupée. Voilà. Pour dire qu'elles ont été formatées pour vous dire oui. Non, là-bas, on ne dit pas oui. Dans le foyer, on te dit ce qu'on pense. Et on te dit avec amour. Et tu ne dois pas rougir. Dis-moi amen, s'il te plaît. Vous priez pour être fiancé, non? Mais vous ne priez pas pour être fiancé. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas pour être fiancé ici. Vous ne voulez pas vous marier? Ah, mais dites bien, vous ne voulez pas vous marier? C'est de là-bas que je parle. Où vous voulez aller là? C'est là-bas que je parle. Si tu n'es pas bien affermi dans le Seigneur, elle va te dire ce qu'elle pense, mais avec amour. Parce que ce qui nous fatigue souvent dans le foyer, on a comme l'impression que notre femme doit nous regarder comme le monde nous regarde. Non. Soit ton général d'armée, elle regarde son mari. Soit ton pasteur onctionneur ou un qui réveille tous les cadavres quand il passe au cimetière. Elle s'en fout de ça. Elle regarde son Rigobert. Donc, quand elle parle, c'est à Rigobert, elle parle. Si toi tu penses que tu es le bishop, l'archibishop, qu'elle doit se mettre en genoux comme tout le monde se met en genoux, c'est que tu n'as rien compris. Mais tu vas apprécier. Parce qu'elle va te dire ce qu'elle pense. Et avec amour. Si tu laisses des blessures et que tu ne traites pas ça, tu vas détruire ton foyer. Christ va regarder à ton cœur et ça va devenir une épine pour toi. Tu vas porter des faux masques. C'est pourquoi souvent on voit beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Vous arrivez à l'église, comme on nous appelle maintenant papa, et que tout le monde aime appeler les gens papa. Des mamans qui disent papa, des jeunes filles qui disent papa. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on a comme l'impression qu'il est vraiment un bon papa, mais quand il est à l'église. Mais quand il arrive à la maison, il boxe tout le monde. Il remet toutes les casseroles. Tout le frigo se casse. Maintenant, toi, ton papa, c'est à l'église seulement, mais il est à la maison. Parce que si tu penses à la vérité et que ça fait du bien aux gens, ça doit te faire du bien toi aussi. Tu es un tuyau et l'esprit passe par toi. Donc, si ça peut guérir là-bas, ça peut te guérir. Mais beaucoup portent des masques. Je voulais chuter par là pour dire que le rejet est une saison, comme l'a dit l'orateur. C'est une bonne saison. Nous devons travailler à apprendre à la connaître, à apprendre à la supporter, à apprendre à la comprendre. Parce qu'à chaque génération, il y a des défis qui vont se présenter à toi. Si on ne t'a pas encore honni en famille, on peut te honni parmi tes camarades. Si on ne t'a pas honni parmi tes camarades, on peut te honni dans l'entreprise. On peut même te honni devant la nation. C'est qu'est-ce que tu as en profondeur. Si tu es comme Jésus-Christ, tu vas comprendre dans la pensée des gens quel est l'objectif qu'ils recherchent. Ils veulent te honnir parce qu'ils veulent que tu réagisses négativement pour que spirituellement ils puissent t'atteindre. Mais quand tu comprends leur pensée, tu bénis Dieu. Pour dire à Dieu, Dieu, tu m'es témoin que l'acte que j'ai posé, ce n'est pas parce qu'il a fait du mal à quelqu'un. Si c'est une erreur que j'ai commise, pardonne-moi. Mais pardonne aussi mes frères pour ne pas qu'ils partent à la mort prématurée. Maintenant, si ton acte est un acte que tu as pensé, demande pardon à Dieu parce que tu peux te faire détruire. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Le rejet, c'est blessure. On a aussi des blessures d'injustice qu'on n'a pas touchées, qui créent des anxiétés chroniques. On a aussi des blessures d'humiliation, qui créent l'isolement. On a aussi des blessures de trahison, qui créent la dépression. Il y en a qui ont été trahis. Tellement ils ont mis beaucoup de confiance dans la relation ou dans cette activité ou dans cette chose, ils deviennent dépressifs. Je prie ce matin que le rejet ne laisse pas des blessures. Même si le rejet était déjà passé dans une de tes générations, bénissons Dieu ce matin. Pour que si ça laissait des séquelles, que nous les présentons à Dieu, pour que par le Saint-Esprit, comme Jésus l'a fait, que nous puissions surmonter ces choses. C'est en cela qu'on verra que nous sommes grands dans le Seigneur. Pas grands en taille, pas grands en forme, mais grands par l'Esprit de Dieu. De ce que nous avons surmonté, ces poisons qui voulaient nous détruire, mais qui n'ont pas pu nous détruire. Élève la voix et parle de Dieu ce matin.